My preparations for a new opera and a new project are normally the same. I listen to the opera and have a feeling for the music, and then I read the libretto, and then I read some literature and look at pictures and see films. And then I start with little drawings. I make them quite naive, just what I think, and then it comes to really more detailed and more perfect shapes. On a d'abord une relation avec la personne qui crée les costumes et qui va nous proposer en fait des dessins qu'on appelle donc des maquettes, et nous on va travailler à partir de ça. Après il y a le choix des tissus. Et puis après, il y a toute l'équipe artistique qui arrive, et donc avec la mise en scène et avec les artistes. I'm very interested in Japanese culture, and for Butterfly, this is a very big point of the production, dealing with this Japanese world. Pour le costume japonais, alors c'est un petit peu un travail particulier dans le sens où à la fois on va coller à la tradition et en même temps on est dans le spectacle. Donc on est obligé de faire des choses qui ne sont pas tout à fait comme ce qu'on ferait d'habitude en costume traditionnel japonais. On va devoir bricoler quelque chose qui puisse scéniquement être très intéressant et qui en même temps suggère en fait toute la tradition du costume japonais. Voilà, c'est ça. Et du coup, la ceinture, elle est beaucoup plus longue, et du coup, il faut la caler de façon à ce qu'elle fasse quelque chose. Ouais. Oui, c'est ça. Et ça, c'est... Moi, je vais essentiellement m'occuper des masques d'après des inspirations de masques no. C'est pas très facile, parce que c'est hyper intimidant, parce que les masques de théâtre no, c'est quelque chose qui est en général fait par des maîtres artisans qui ont appris pendant 30 ans à sculpter le bois pour faire des masques, et donc c'est pas évidemment mon cas. Après, moi, j'ai trouvé une façon de peut-être transposer ça, parce que évidemment, ces masques, je vais pas sculpter du bois comme la tradition japonaise, mais je fais une sculpture en plastiline. Bon, c'est comme une pâte à modeler, on va dire. Et je pose le papier mâché directement dessus, ce qui fait que c'est quelque chose qui va aller relativement vite, et que si je veux transformer ces masques, c'est quelque chose qui est hyper envisageable, et l'expression du visage, elle se joue à très peu avec l'inclinaison d'un œil ou d'un sourcil ou de la bouche. Si on les voit en répétition et que la costumière Ursula, elle dit, ou la metteuse en scène, bah lui, il est un peu trop méchant, triste, joyeux ou je ne sais quoi, et ben, je pourrais le refaire facilement. Alors, est-ce que c'est trop foncé ou pas? Parce qu'il y a tu vois, il y a un peu de mèche. Non, c'est assez bien. Peut-être ajouter un peu de gris, mais pas trop. What I'm doing today is just to talk to the ladies of the workshops. They are doing the costumes, and we talk about the cutting. Is it more historic or is it nowadays? So we have these really detailed decisions. Is it a 3-button, a 2-button, if you know what I mean by that? And we are looking for the light today. This is very important. We make a group of geishas and we want to see it in the light, and whether it's good with these colors or if we had to find something else. L'avantage ici, c'est que donc les répétitions se passent en bas, dans une des salles de répétition, et elles se passent en même temps que nous on travaille. Donc il y a vraiment un va-et-vient entre ce qui se passe en bas et ce qui se passe chez nous à l'atelier. Et par rapport aux maquettes de départ qu'on a eues, on va un petit peu changer les choses.
en fonction de la mise en scène, en fonction des lumières, en fonction du décor. Il faut qu'on s'adapte avec cette nécessité de changer un petit peu des choses et qu'on puisse livrer à temps les costumes pour que les chanteurs puissent répéter avec. Le rôle de la chef habilleuse, c'est de faire le lien, je dirais, entre l'artistique et la technique. Moi, j'interviens au moment où la costumière, elle a déjà beaucoup avancé sur le projet. Son idée est vraiment précise. Et justement, c'est le moment où on passe, où tout ça se concrétise. Donc, on va suivre la validation et l'évolution de tous les costumes. Et quand je parle d'évolution, ça veut dire voir quels sont les trucs et astuces qu'on va trouver en lien avec les couturières. Donc, il faut suivre tout ça pour connaître vraiment comment sont faits les costumes, pour pouvoir après, au moment des représentations, que ce soit le plus fluide possible avec les chanteurs. Qu'ils puissent passer d'un costume à un autre de manière très fluide et très agréable. Et du coup, c'est ce qui nous mène à intervenir pendant les représentations, c'est s'ils ont des changements de costume. On a fait des choses en 12 secondes. Un déshabillage, coiffure comprise, enfin, ça peut être un peu sportif, mais c'est aussi ce qui fait le charme de certaines productions. Like oh wow, beautiful. Okay. And then I wanted to put some black shoe cream. C'est notre rôle à nous de faire, d'ancrer en fait dans un tissu, dans une forme, l'idée qui est projetée en fait pour l'ensemble du spectacle. Ce qu'on adore, c'est faire des costumes magnifiques. Donc il y a des choses qu'on voit, par exemple, je ne sais pas, à la gare TGV, une fois je suis partie pour voyager et puis j'ai vu des costumes en photo gigantesques, une robe notamment qu'on avait fabriquée à l'atelier, et c'est vraiment très satisfaisant. Il y a d'autres productions où on n'a pas forcément des costumes qui sont magnifiques. On ne va jamais dire « Oh, les costumes sont magnifiques ». Par contre, la production est réussie de A à Z au niveau de ce que ça procure en tant que spectateur, spectatrice. Et là, c'est génial. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est le fait d'être au service de ces grandes productions, de ces grandes créations. Techniquement, elles existent grâce à nous également. Il y a un peu un côté romantique dans le fait où on ne voit pas, mais c'est essentiel. Et ça, je trouve ça assez touchant.